À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Julio. Débutons cette édition dans le Nord Kivu, où la République du Congo-Brazzaville a fait un don de 45 tonnes de vivres aux sinistrés du volcan de Nyiragongo. C'est la ministre brazzavilloise des Affaires étrangères qui a remis les dons à Goma au nom du gouvernement de son pays. Suivez de plus en plus de détails. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive au voisin affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et Action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette Ilushine Cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC. Et nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Et vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait, et j'espère que j'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville, sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondongue, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie d'abord Madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous, et ministre des Affaires humanitaires, donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, président Félix-Antoine Tshisekedi, je vous remercie. Nous remercions aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes. Et là, nous recevons 39 tonnes dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit Madame la ministre. Et nous sommes très, très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise et nous remercions beaucoup le peuple frère de Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Revenons à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samba Loukonde a reçu le samedi 19 juin à Kinshasa une délégation des investisseurs américains conduite par la ministre déléguée près de ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Suivez de plus amples détails dans ce propos recueilli. Oui, en fait, je suis venue présenter au Premier ministre les investisseurs qui veulent accompagner la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'agriculture, même les infrastructures, parce qu'il y a l'église de Saint des derniers jours qui intervient dedans avec nous. Et là, nous avons des investisseurs qui ont longtemps cherché à rencontrer les autorités de la République démocratique du Congo parce qu'ils veulent contribuer à l'action gouvernementale. Ils savent qu'il y a une très grande vulnérabilité de la population
Vous voyez, pour accéder, nous avons de l'eau ici, nous avons le fleuve Congo, nous avons des rivières, mais pour que la population accède à l'eau potable, c'est tout un problème. Nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes par rapport à l'agriculture. Et ils ont une technologie moderne dans ces domaines-là, c'est pourquoi ils sont venus. Et ils n'ont pas voulu le faire de manière camouflée. Ils ont voulu passer par les autorités de la République. Et le Premier ministre étant le chef du gouvernement, c'était que normal que nous puissions les amener, qu'ils les écoutent avant qu'ils ne puissent rencontrer les ministres sectoriels. Oui, nous avons été bien accueillis. Le Premier ministre nous a accordé une oreille attentive. Il a eu des échanges avec eux. Il y a eu même une séance de démonstration avec la nouvelle technologie qu'ils veulent amener. Ils ont démontré comment ils peuvent produire de l'eau potable pour notre peuple. Et le Premier ministre a accepté, mais il nous a recommandé de rencontrer le ministère sectoriel parce qu'il y a beaucoup de choses techniques qui doivent être discutées à ce niveau-là. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre d'abord pour nous présenter à lui afin de nous faire connaître, mais aussi pour lui parler de nos efforts humanitaires que nous sommes en train de mener dans le pays et principalement à notre soutien humanitaire à la situation qui prévaut actuellement à Goma. Donc nous sommes venus lui présenter ce que nous sommes en train de faire actuellement parce que l'Église est en train de participer avec plusieurs projets, notamment nous sommes en train de réhabiliter une tuyauterie d'eau là-bas de au moins 525 mètres pour permettre aux habitants de Goma d'avoir accès à l'eau potable. Nous allons aussi fournir des vivres et des non-vivres. Le coût global avec nos partenaires est à peu près à 1 450 000 $. Mais aussi, nous sommes venus demander au Premier ministre la feuille de route par rapport à la situation à Goma pour évaluer comment nous pouvons contribuer une fois de plus aux efforts que le gouvernement met en place pour soulager les populations qui sont à Goma. Très amical, très convivial, et nous avons apprécié l'ouverture. Et le Premier ministre a promis qu'il nous ferait part de la feuille de route. Et il a apprécié toutes les actions que nous sommes en train de mener et nous a encouragés à continuer. Et nous voulons continuer à apporter notre soutien. Et au Palais du Peuple, la cellule de communication de l'Assemblée nationale dénonce une fois de plus la mauvaise foi d'une certaine classe politique en mal de positionnement qui cherche à soulever de vagues de vent même quand le temps et l'occasion ne s'y présentent pas. Un groupe de députés nationaux mal intentionnés font flèche de tout bois, toute une polémique stérile et périlée est en train d'enfler dans le réseau social autour de l'affaire des députés. La cellule des communications de l'Assemblée nationale s'interroge sur le vrai mobile de cette pratique criminelle. Toujours dans ces chapitres, Bintou Keïta et Mbosso Koudia ont eu des échanges fructueux sur les élections et la prochaine transition de la MONUSCO. L'objet de la réunion était de faire le point sur les élections aussi en République démocratique du Congo. Suivez Bintou Keïta, représentante de la MONUSCO en RDC. La première visite était exactement le 16 mars, lorsque je venais d'arriver. Donc l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'était de faire le point sur les différents sujets que nous avions abordés à l'époque. Le premier étant la relation entre la MONUSCO et l'Assemblée nationale. Ensuite, le processus de préparation des élections de 2023 et notamment la question de l'identification d'un porte-parole de l'opposition. Nous avons parlé aussi de toute la situation d'insécurité à l'est du pays et regarder comment est-ce que la MONUSCO et l'armée congolaise pourront aller dans des opérations offensives, mais de manière conjointe. Alors, je ne vais pas revenir sur le conjoint parce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'est-ce que cela veut dire. Et nous avons aussi parlé de la question liée avec la transition
de la MONUSCO et notamment la préparation de la feuille de route de la transition pour une sortie responsable, graduelle et durable de la MONUSCO du pays. Et ça, avec une échéance qui arrive très très vite, puisque ce dossier doit être présenté au Conseil de sécurité au mois de septembre qui arrive. La plénière a accordé un vote favorable à la demande du procureur, suivi le speaker de l'Assemblée nationale du Parlement à l'issue de ces votes. Suivez de plus en plus de détails avec Mbosso Kodia. 359 députés. Ont voté pour. Je répète. 359 honorables députés ont voté pour. 7 honorables députés ont voté contre. 7 honorables députés ont voté abstention. En conséquence, conformément à l'article 102, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière adopte à la grande majorité de ses membres la résolution portant autorisation d'instruction contre les honorables députés nationaux Munga Messosi Louise et Lumbukiala René. Cette résolution sera notifiée au procureur général près la Cour constitutionnelle. J'ajoute, pour la bonne compréhension, les honorables députés comparaîtront devant le procureur général avec les immunités des honorables députés. Je vous remercie. Eliezer Tambwe Mwamba, député national de la République démocratique du Congo, donne sa position par rapport à la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo Mapon. Suivez Eliezer Tambwe. Nous représentons la nation, alors que les sénateurs représentent les provinces. Il y a vraiment une différence. C'est comme ça que les lois, la constitution de notre pays nous donnent le pouvoir en cas de divergence entre nous et les sénats. C'est notre décision qui passe. Donc, nous ne sommes pas des élus des élus. Les élus des élus représentent les provinces. Nous représentons la nation. Au cas où les procureurs venaient pour demander la levée des immunités, non, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Parce que pour qu'on arrive là, il fallait que les procureurs puissent nous montrer les éléments probants et sur lesquels il devra s'appuyer pour demander la levée des immunités. On ne lève pas les immunités pour lever les immunités. On lève les immunités quand nous estimerons que les faits sont graves. C'est là que, ce n'est pas nécessairement M. Tambo qui devra encore venir, peut-être comme président de la commission spéciale et temporaire qui devrait être constitué dans ces cas-là, mais ça pourra être peut-être un autre collègue. Et je pense que là, on va analyser les fonds, parce qu'ici, nous n'avons analysé que la forme. Nous avons eu, tel que vous avez dit, l'honneur de présider cette commission et tous les enjeux, si je pouvais dire ainsi. Et nous avons travaillé jusqu'à ce qu'on aboutisse à ces décisions. D'abord, il y avait une confusion dans la lecture du texte nous adressé par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Nous avons débattu tel que j'expliquais. Nous avons posé la question de savoir si la Cour constitutionnelle était compétente pour entendre nos collègues. Et c'est comme ça qu'avec le concours du bureau, on a levé l'option. On a parlé de la coréité et de la complicité dans la commission de cette infraction. Mais nous sommes arrivés à la décision selon laquelle on ne devrait pas autoriser des poursuites. Parce que qui dit poursuite, il a levé des immunités.
alors que les immunités d'un parlementaire sont comme un obstacle pour l'interpellation, pour l'audition d'un député. Alors, c'est comme ça que nous sommes tombés d'accord, parce que le PG nous a dit qu'il a utilisé les mots poursuite pour se conformer à la Constitution. En réalité, il ne s'agissait pas de poursuite. C'était l'autorisation d'entendre. C'est comme ça que nous avons abouti à la conclusion de l'instruction, l'autorisation d'instruction. Mais ce qui est vrai, que les deux collègues attendaient d'ailleurs, sont rendus eux-mêmes en volontaires pour aller se faire entendre. C'est une procédure qui n'est prévue nulle part dans nos lois. Mais hélas, comme ils tiennent à tout prix à redorer leur image, déjà ternie avec tout ce qui a conduit autour du dossier Bukangalozo, ils nous ont demandé d'autoriser pour qu'ils soient entendus par les procureurs généraux. Donc c'est ça. Et à ce moment, nous nous sommes déportés. C'est-à-dire, après avoir déposé, c'est ce que dit le règlement intérieur, après avoir déposé notre rapport auprès de notre bureau et la présentation en plénière, nous sommes déportés. C'est-à-dire, la suite appartient au parquet. Et enfin, pour boucler cette édition du journal, la plénière a également accordé un vote favorable par contre au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle autorisant l'instruction des dossiers en charge ou décharge. Suivez l'honorable député pour de plus amples détails. Qui est donné à nos deux collègues de fournir leur version des faits, la version qu'ils estiment la bonne. Parce que la mise en accusation, l'autorisation de poursuite, on ne vous arrête pas. On vous donne l'occasion de fournir officiellement la version des faits. Il ne faudrait pas que les gens se laissent juger par les juges de la rue. Là, ils seront devant des professionnels de la justice et la vérité judiciaire, c'est la vérité qu'on retient. Une fois qu'ils seront blanchis là-bas, ils n'ont plus besoin de devoir quoi que ce soit à quiconque. Donc moi, je considère que devant le scandale de Bukangalozo, un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, nos collègues doivent se présenter chez le juge, fournir leur version des faits. Et s'il y a des indices de culpabilité, le procureur reviendra encore chez nous pour nous demander l'autorisation de poursuite ou bien d'élever des immunités. Bien à ce moment là-bas, nous allons examiner ce qu'ils auront déclaré chez le procureur et les conclusions que le procureur général aura retenues contre eux. Et nous nous ferons la balance. Mais pour le moment, il n'est pas question de faire obstruction. Parce que le petit peuple, pour une poule, pour une petite bagarre, pour un petit rien, se retrouve bien au cachot. Et nous ne pouvons pas ici, nous comme honorables députés, nous constituer en club de protection pour faire obstruction à la justice. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Léon Joléo.